Bienvenue aux sessions lunch de Plaque Tournante. Bon midi tout le monde, Marc-André Mongrain de Sortu.ca. Bienvenue aux sessions lunch de Plaque Tournante, une coproduction de Lifetoon et de Culture Cible. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, très grand, avec des très belles lunettes. Il joue du rock'n'roll, on l'aime beaucoup, David Miles. Six o'clock, I hear the paper banging up against my door. Used to be a sound I wait for, but I can't take it, I can't take it, I can't take it anymore. Cause when I look at it, I mean on every page, I mean that every picture is a picture of your face. Night and day, I can't seem to find a way. Night and day, I can't seem to find a way to get you on my mind, get you on my mind, get you on my mind. Turn the radio up in the morning just to turn my blues around. Something's changed here without warning. There's only one sound. Sound of a kick drum four on the floor. You don't need to know how to sing anymore. The sound of your voice, sound of your laugh, the sound of you telling me that this will never last. Night and day, I can't seem to find a way. Night and day, I can't seem to find a way. Night and day, I can't seem to find a way. Get you on my mind, 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 get you on my mind. I can't seem to find a way, night and day. I can't seem to find a way, night and day. I can't seem to find a way to get you on my mind, 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 get you on my mind. David Miles! Si ça, c'est peut-être pas à digérer ton sandwich au jambon. Bonjour, David Miles! Merci plaisir beaucoup de te recevoir aux sessions lunch pendant que les gens sont en train de réchauffer leur lasagne au micro-ondes. Toi, tu les sérénades avec des petites chansons rock'n'roll. Moi, je tapais du pied, j'avais envie de danser. Tout le monde ici en arrière avait envie de se dodeliner un petit peu. Moi aussi. En fait, j'ai trop dansé sur cela. Mais on voit que t'es un sacré bon danseur. On va sur... À l'arrière de ta pochette ici, trois petites images qui feraient un très bon gif animé où ça a l'air d'essayer d'apprendre aux gens comment se déhancher. Est-ce que tu peux nous faire un cours de comment on est supposé se déhancher sur ce genre de musique-là? Mais pour moi, c'est vraiment... Il n'y a pas une façon. Mm-hmm. C'est vraiment de trouver de notre manière de danser. Pour moi, c'était de me libérer un peu, est-ce qu'on dit ça? Mm-hmm. Moi, on a fait les photos en LA. Ça a commencé, j'étais comme ça, comme toujours, la même chose. Mais au moment qu'on a commencé à danser, toutes les choses ont changé. On a mis la musique, j'ai fait comme ça. Celle-là, ça marche vraiment très bien avec comme cette ça? Musique, comme okay. ça. Celle-là, mais on peut faire n'importe quoi. Mais ouais. Moi, j'aime bien utiliser mes bras parce que comme je suis grand, je vais vraiment prendre du place. Mm-hmm. Et comme ça, surtout parce qu'on est ici aux années 2000, ouais. 2000, quoi, 17 maintenant. Il me demande 2000 quoi? On peut prendre des mouvements de tous les années. Ouais. On peut prendre des années 70, des années 50, 80, 60, exactement. 80, tout ça. Exactement. Ton album est davantage inspiré. Ton nouvel album Real Love, paru il y a quelques semaines, Real Love with David Miles, est un peu plus inspiré du rock'n'roll rétro des années 50, début 60, tout ça. C'est déjà ton 10e album et tu dis que c'est celui qui te ressemble le plus, celui que tu étais né pour faire cet album-là. Pourquoi ce genre de musique-là vient te chercher à ce point-là? Mais c'est bizarre parce que moi, j'avais toujours... En fait, j'ai commencé avec Elvis. Mm-hmm. Quand j'avais 7 ans, j'ai fait un concours de lip-sync. On a fait ça quand j'avais 7 ans. À Fredericton, j'ai fait Heartbreak Hotel. J'ai dansé, j'ai essayé d'être Elvis. C'est comme ça que ta carrière a commencé. C'est ça. J'avais vu comme moi, j'ai vu le public... Et j'ai dit, moi, je veux faire ça. Comme, mm-hmm. C'était un moment incroyable. Donc, j'ai cherché ce moment encore. Donc,
dès que ce moment-là. Mais non, c'était toujours cette musique. Moi, j'adore l'énergie de cette musique. Pour moi, j'avais toujours envie de faire danser des personnes. Moi, j'aime bien danser. Mm-hmm. Mais ça a marché, la musique pop de maintenant, ça ne va pas marcher pour moi ou la band. Ce n'est pas notre genre. Nous, on est plutôt les musiciens de country, bluegrass, rock and roll, peut-être R&B, là. Mais donc, moi, j'ai pris le monde de country, de early rock and roll, et j'ai essayé de faire un album de danse, qui est un peu plus contemporain aussi. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé, là. On connaît un peu du genre, un peu du Johnny Cash, on connaît un peu du Roy Orbison. On est vraiment dans le vieux, dans le vieux rock and roll vintage qu'on a envie d'écouter avec un vinyle qui crépite là, un peu. On est dans ces années-là un peu. Mais en même temps, tu as comme une énergie que les gens d'aujourd'hui peuvent reconnaître. T'es dans un genre quand même qui n'est pas strictement rétro. Exactement. En fait, moi, je ne suis pas trop rétro comme personne. En fait, j'espère que je suis un homme moderne quand même. Je suis un homme d'aujourd'hui. Uh-huh. Mais j'adore chanter aussi. Ces gars-là des années 50, 60, Roy Orbison, c'est la musique rock, mais aussi ils prennent leur temps avec leur voix. Ouais. Ils chantent super bien. Ils chantent comme des phrases qui sont longues et vraiment beaux comme ça. Moi, j'avais envie de faire ça parce que j'étais toujours en train de chanter très vite. Et de plus en plus, j'écoutais la musique de comme Don Gibson, de Roy Orbison. Ouais. Prendre le temps avec les phrases. Et je disais, ah, moi, je vais faire comme les deux mondes, ou les deux mondes qui se rejoignent, le monde de country avec les phrases qui est plus longue, qui est beau, qui chante, vraiment chante. Ouais, ouais, ouais. Mais avec une band qui rock. Avec l'énergie rythmique. Ça c'était l'idée. Ça, c'est très réussi. En tout cas, Real Love with David Miles, et c'est drôle parce qu'en ce moment, t'es en train de faire la promotion de cet album-là, mais cet été, l'été qu'on vient de passer, tu as également enregistré ton premier album en français qui va paraître plus tard. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'instant au sujet de ton premier album entièrement en français? Mais moi, j'ai vraiment hâte de le partager avec le monde de Canada, vraiment du monde francophone, parce que moi, je l'ai fait avec François Lafontaine. Ouais, de Carquois. De Carquois. Et c'était une expérience incroyable pour moi. Moi, j'adore travailler avec les autres gens. Mm-hmm. Et François, c'est comme un génie de la musique. C'était une expérience parfaite pour moi. J'étais ici à Montréal, je l'ai fait avec des autres chansonniers qui habitaient ici pour les paroles. J'ai travaillé avec Gaël pour les paroles et Carole Facal de Caracol. Donc, en fait, c'était comme une équipe de quatre plutôt pour les chansons. C'était François, Carole, Gaël et moi. Ça s'est super bien passé. C'était super pour mon français parce que j'ai toujours adoré la langue. Mm-hmm. Et ça m'a donné la chance de vraiment m'immerser dedans dans la poésie. Et c'était difficile, mais ça marchait. On a hâte d'entendre ça. En tout cas, un album en français de David Miles. Ça va être plus tard, dans un an environ. D'ici là, il y a Real Love with David Miles qui est présentement en vente et pour lequel tu feras une série de spectacles plus en février 2018, mais il y en a un le 17 octobre prochain au Verre Bouteille à Montréal. On te laisse jouer la chanson-titre de cet album-là, Real Love. Merci beaucoup, David Miles. Merci à vous. Everybody here is living in a dream. Flashing lights and smoke machines. Everybody here is looking for the one before the night is over and the music is done. It's gonna change their life, it's gonna change their night, it's gonna change their life, it's gonna change the night. Real love, it doesn't come around. It doesn't come around that much. So let's just fake it. Let's just make it work for us tonight. Real love, it doesn't come around. It doesn't come around that much. So let's just fake it. Let's just make it work for us tonight. We can dance and I'll hold you near. You can tell me what to whisper in your ear. Lie to me as you look me in the eye. Kiss me and I'll act surprised. As if it wasn't part, as if it wasn't part, as if it wasn't part of the plan. Real love, it doesn't come around. Doesn't come around that much. So let's just fake it. Let's just make it work for us tonight. Real love, it doesn't come around. It doesn't come around that much. So
let's just fake it. Let's just make it work for us tonight. Oh, oh, oh. Why would we wait for the real thing when we could fake it right now? Why would we wait for the real thing when we could fake it right now? Nothing sweeter than the words goodbye when you never believed and you never even tried. Did I lie to you when I walked you home? Now thoughts of you won't leave me alone. Oh no, that wasn't part. Oh no, that wasn't part. Oh no, that wasn't part of the plan. Real love, it doesn't come around. It doesn't come around that much. So let's just take it. Let's just make it work for us tonight. Real love, it doesn't come around. It doesn't come around that much. So let's just take it. Let's just make it work for us tonight. Real love, it doesn't come around. It doesn't come around that much. So let's just take it. Let's just make it work for us tonight. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Everybody here is living in a dream. Bravo! Bravo! Il s'appelle David Mars, son nouvel album s'appelle Real Love est en vente en ce moment. Merci beaucoup, David Mars. Merci à vous, merci. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre session lunch. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sera mon collègue Louis-Philippe Labrèche du Canal Auditif qui sera à l'animation. Je sais, mais la bonne nouvelle, c'est que l'artiste sera Maud Audet. Elle sera juste ici pour deux chansons. À la semaine prochaine.